Pode passar. Allô, un mot. Un mot. Un mot village. C'est toi. Le bébé, un mot. Ça va. C'est bon. La lutte, non. On ne veut pas le pont. Non, on ne veut pas le pont. Voilà. Le rouge. Allez. C'est un mot village. C'est tout. Mais où est le t-shirt là? Bon, là nous sommes dans notre village. Eh bien, nous sommes dans notre village. On ne veut pas de ce pont. Voilà, on assume tout. On va assumer tout. J'assume toutes les vidéos, j'assume tous mes propos. On veut pas de ce pont, ni aujourd'hui, ni demain. Voilà. On veut pas de ce pont, nous sommes dans notre village. Nous, on ne vous a rien fait. On n'a pas provoqué quelqu'un, on n'a rien fait. On nous dit un bon matin qu'on doit construire un pont. Donc pour ça, on doit liquider nous, notre ethnie, quoi. On doit liquider le quartier, c'est pas possible. C'est pas possible pour mon ethnie, moi je suis prête à aller en prison. Je suis pas, c'est même pas possible. Mono, abalette, jamais. Le vilain village qui a été créé depuis des siècles. Depuis des siècles. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et puis nous, on nous demande de quitter sans raison. Pour rien. Parce qu'on n'aime pas notre tête, on n'aime pas notre ethnie. Donc on doit partir. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, mais on va pas se laisser faire. Ha! Jamais! Aujourd'hui, là, vous allez connaître les Hébreux. Voilà. Vous allez connaître les Hébreux. Dis quoi? J'espère que monsieur Begré Mambé, là, il voit. La tati. C'est chaud. Hé, ouais, ma maman. Voilà. Hébreux et fier. Voilà. Hébreux et fier. On est fier d'être chez nous. On n'a pas volé quelqu'un. On ne s'est pas approprié le village de quelqu'un. C'est chez nous. On ne bouge pas. Il y a de ça de pont même. Tout le village ira à la Maca cette fois-ci là. Village à la Maca, c'est gâté. Tout le monde ira à la Maca. Oh yes. Les grands
croyez que c'est du jeu? Quand vous croyez que c'est du jeu, on va vous montrer. On est décidé, on n'est pas à mourir. La mort, rien. La mort, rien. La mort, rien. Ouais, tonton. Ouais. J'ai pas pour habitude d'injurer. J'ai pas pour habitude d'insulter. Mais aujourd'hui, là, moi, je prends la ferme résolution d'aller en prison. Parce qu'on veut détruire mon village. Ça se fera pas. Ça, je vous dis. Ça se fera pas. Je jure sur ma vie. Je jure sur mes parents. Je suis la tête de mes ancêtres. Ça se fera pas. Ça se fera pas. La mort, rien. La mort, rien. La mort, rien. Quand on fait de la politique, vous vous fâchez. Mais aujourd'hui, là, c'est pas une question de politique. C'est une question de village. J'ai jamais vu un village. Je n'ai jamais vu des gens qu'on demande, à qui on demande de quitter les villages. C'est la première fois. Et je serai célèbre à cause de ça, là. Je serai célèbre, moi. Je serai célèbre en Côte d'Ivoire. Vous voyez, toutes ces femmes là sont nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, des femmes qui sont malades, qui ne savent pas, des femmes qui sont vraiment, j'ai plus de mots, je suis découragée. Découragée. J'ai tout laissé aujourd'hui pour être dans mon village. Oui. Je suis brillée, c'est pas un crime. Je suis fière d'être dans mon village. Oui. Voilà, chacun a son village. Laissez pour nous, pardon. On nous gaz avec des lacrymogènes. Les enfants sont à la maison. On nous combatte. Parce que nous sommes chez nous. Non, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. On est prêts, en tout cas, tous les villages, on est prêts à la Maca. Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez. On n'est pas contre le développement de notre pays, mais sincèrement, c'est trop nous demander. C'est trop nous demander. Nos nombrils sont enterrés ici. Nos grands-parents sont morts ici. Nous nous sommes nés ici. Depuis des décennies, nous sommes nés ici. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Sincèrement, l'heure est grave. On est fatigué. On est fatigué. Voilà. On envoie les policiers frapper nos mamans, gifler nos mamans, frapper nos papas. Et vous voulez que nous on reste comme ça sans rien faire? Jamais. La mort, rien. On nous frappe. Hey.
rien. On nous frappe. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Ébriés et fiers, on n'a pas volé. On est chez nous. On va expliquer ça en quelle langue. On est prié. Le pont en hébreu, on dit Loïta. Loïta. Voilà le pont. Voilà.
passé où mon sac quand même. Maman, ça va avec ma maman. Ah, moi, il y a parlé sur Facebook. Il y a des citoyens dans la maison. Mais ils sont en train de faire des choses. Oui, papa. Aignan. Ouais, papa. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'ethnie à Abidjan. Ça fait rire quand même. C'est méchant parce que lorsque nous faisons, nous, lorsqu'on célèbre nos fêtes de résistance, vous venez manger. Quand on fait nos fêtes là, de génération, vous venez manger. Vous buvez à gogo. On laisse pas. On laisse pas. On laisse pas. Voilà. On n'a jamais cédé de terre. Je vous explique. On n'a jamais cédé de terre à qui que ce soit. On n'a jamais pris l'argent à qui que ce soit. C'est tout. On nous avait dit qu'on allait dévier. Dévier pour les travaux. Et bon matin, nous demande de déguerpir sans raison. Pourquoi? Voilà. Tous les cousins sont là, les grands-mères, les arrière-grands-pères, même les cadavres sont sortis. Voilà, ne riez pas, hein. Ne riez pas, c'est foutaise. Voilà, ils ont décidé de nous gazer maintenant. Vous devez s'apprêter, vous voyez, ils vont nous gazer. Voilà, ils vont lancer les bombes à Trimoche. Ils veulent nous tuer dans notre propre village. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, ils veulent nous tuer. On vient nous tuer dans notre propre village. Du jamais vu, ils apportent les bombes. Vous voyez les corps habillés, non? Du jamais vu, on vit dans d'autres villages. Vous voyez les vieilles, les mamans. Vous voyez, ils sont prêts, ils veulent nous tuer. La mort ou rien. Donc parce qu'on Youssouf Bamba, parce qu'on parle d'un pont. Donc Youssouf Bamba, parce qu'on parle d'un pont, donc on doit détruire notre village. Est-ce que toi on a détruit ton village pour le développement de ton pays, on a détruit ton village? Évitez les commentaires, je ne vais même pas vous lire même. Voilà. Voilà. Je filme, j'assume. J'assume mes propos. Je suis chez moi, dans mon village. On attend les caterpillars et puis on va faire la fête. Bégré Mambé, tu vois, oh, tu vois. J'espère que tu vois. Voilà. Aujourd'hui, les Hébreux, une race a banni. Les villages a détruit. Voilà. Toute la famille est là. Tout le monde est sorti. Les enfants, les bébés. Tout le monde est là. Nos mamans sont dehors, nos papas sont dehors. Nos grands-pères sont dehors. Les notables même sont dehors. Ils ont leur gros pain, ils sont dehors. Bon, que le monde entier voie, hein. Parce qu'on n'a pas de télévision. Que le monde entier voie. Et si on demande, c'est moi qui ai filmé. Voilà.
Voilà. C'était la preuve. Je voulais vous montrer un peu ce qui se passe chez moi en vidéo. Si c'est normal, vive la Côte d'Ivoire. Nous sommes dehors, on va pas se laisser faire. Soit on meurt, soit on reste. Vive Laurent Gbagbo. Eh, c'est nous, on fait fatigue comme ça aujourd'hui. Ouais. Tous les vieux, les papas, tout le monde est dehors. Les chefs n'ont jamais pris de jetons, c'est une intox. Vous intoxiquez les gens avec vos infos. Chez nous, on ne vend pas de terrain. En tout cas, peut-être les autres villages hébreux, sinon chez nous, on ne vend pas de terrain. Voilà. Vous voyez, ça c'est mon oncle, mon papa. On dit qu'on est dans la rue, on veut nous tuer. Oh. Ah. Voilà, on a notre histoire, mais on veut effacer notre histoire. Pourquoi? C'est pas normal. Voilà, on n'est pas contre le développement, hein. Bon, c'est pas normal. Bon, nous sommes dehors, hein. Les autres peuples, on sait pas. Mais pour nous, là, on connaît. En tout cas, nous, on se laisse pas faire. Voici notre maman. Coro de Badia, voilà ta tante, hein. Voilà ta tante. Tonton laboureur de vigne, voilà ta soeur. Nos mamans du village. Vous voyez la jeunesse, vous voyez les jeunes de mon village devant les corps habillés qui ont décidé de nous gazer. Voilà. On décide de nous gazer. J'espère que vous voyez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Pour que le monde entier voie. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est tout ce qu'on peut faire. Nous, on n'a pas d'armes. Voilà. Mais celui qui nous agresse, qui fait une violation à domicile, nous, on répond. Voilà. Nous sommes un peuple guerrier. Voilà. Vous parlez? Parle. Voilà. Voilà, la police. Les filles brûlées qui baisent, hein, les policiers là. C'est pas la peine, arrêtez ça. On veut plus. Divorcé. Aujourd'hui, la police nous frappe. Et puis, ce qui est bizarre, non? Il y a même des corps habillés et brillés qui sont là, qui sont en civil, qui regardent leurs collègues. Il y en a plein qui sont là aujourd'hui, des militaires, des gendarmes, qui regardent, qui sont vraiment découragés. Je répète encore, j'assume ma vidéo et tout ce que je dis. Voilà. C'est mon petit village. On a notre histoire. Ne nous effacez pas de la carte de la Côte d'Ivoire. Cédric. Gaoula. Bonjour les chocos. Vous voyez, c'est méchant. Tous les enfants sont dehors. Les gens sont dehors. On dit quoi, chérie? Je viens. C'est trop chaud. Allez là, il n'y a pas de bisous. Chaque peuple a son histoire. Vous pouvez effacer la nôtre. Vous voyez, c'est méchant. On n'a pas dormi depuis hier. Maman, oui, j'arrive. Oui, d'accord. Vous voyez les papas? Papa, un mot. Et toi, vous n'êtes pas hier. Hein? Et toi, vous n'êtes pas hier. Aïe, vous êtes allé, non? L'eau, hein? Vous voyez nos mamans? Papa, aïe, c'est toi, vous n'êtes pas. Attendez, on a la tambouille.
on taboué, on faux, on les yokale, ne peine à l'orita, on les teint. On les dépend. On les dépend. Et Jésus, voilà on le ita. Voilà on le couper. Hey! Voici mes oncles, mes grands-parents. Vous voyez ici. Voilà mes soeurs. Faut que le monde entier nous voie quand même. Voilà. Patrick, Patrick, Patrick! Bon, vous voyez, vous pouvez vous renseigner à jamais. On vit avec tout le monde ici, en parfaite harmonie. Voilà, voilà ce qui se passe chez moi. Partagez la vidéo. Les enfants, les vieillards, Ouzo, c'est comment? Vous voyez? Voici nos grands-mères. Nos grands-mères. La tati, bonjour. Ça va, non? Le moral? Ok. Dieu va faire. Mais toi, tu te promènes, hein? Avec ce chez toi, toi, tu te promènes. Un mot. Attends, c'est sa place. Bon, tu veux dire un mot? Elle est taille pensée.
Non, c'était j'étais dormi. Chaque personne a son pays, a son village. Donc, nous ne voulons pas que notre village soit détruit. Chacun a son village. Qu'on soit fiers. On laisse notre village en paix. Abidjan, c'est pour notre papa, je te réponds. Soso Daoud Ayo, Abidjan, c'est pour notre papa. C'est pour notre papa, vous êtes venus nous trouver, c'est pour notre papa. Vous pouvez pas nous chasser de chez nous, c'est pour notre papa. C'est chez nous. On restera, ou bien vous allez nous tuer. Ils écrivent. C'est pour notre papa. C'est pour notre papa. Tous les Hébreux, ils ne seront pas là, la Maca. On ira à la Maca. On ira tous à la Maca. Ah, ça va chauffer. Ah, ça va chauffer. On ira tous. Pour mon village, on ira tous. Il y a quelqu'un qui demande c'est Abidjan là, c'est pour notre papa, c'est pour notre papa, on te répond. Qui compte sous si la tête de notre village. On demande c'est Abidjan, c'est pour notre papa, répondez, c'est pour notre papa. La tête de Abidjan va vous engloutir. 100 billets pour le célébrer. 100 billets pour le célébrer. On demande c'est Abidjan, c'est pour notre papa. Effectivement. Voilà, Abidjan c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour nous. Voilà, ça c'est une sœur Djoula. Voilà une de nos sœurs Djoula qui vient, elle nous parle. Il va à fond, ma mère. Jésus-Christ est Seigneur. Où vous êtes, les hommes du pays, que ce soit président, ministre, député, donnez votre vie à Jésus. Jésus vous appelle. Donnez votre cœur, votre vie à Jésus. Vous voyez les mamans qui pleurent. Des mamans qui pleurent. Mais le Saint-Esprit va agir. Hé, Maki, Maki. Même bien sur mon village, tu touches à mon village. Je du village. Attendez, le point ne passe pas. Si ça va passer, la tête de son corps. Les gars, ici, nous, à part rien. Les gars, tu as pris mon nom à bout de poitain. Oui, c'est la pluie. 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 C'est la
pas de ma poche. Mon père est éclaté. Ça passe en or là. Là, c'est le village. Ouais. Eh, ¿cómo le ves? On dit Abigail n'est pas pour nous. Donc vous voulez nous chasser, chassez-nous. On s'en va. On va aller au Ghana. Comme on vient du Ghana, on va aller au Ghana. On va aller rester là-bas ou bien? On dit Abigail c'est pas pour nous. Ok, on ira au Ghana alors. Parce que les accords viennent du Ghana. C'est vraiment méchant. C'est vraiment, vraiment idiot quoi. Comment des gens peuvent écrire qu'à Abidjan, il n'y a personne. Il n'y a pas d'ethnie. Je vois des commentaires, vraiment, je suis désemparée. Hein. On est à Abidjan, c'est pas pour notre papa. On a gagné Ghana. Donc on va aller au Ghana. Comme on vient du Ghana, on va partir au Ghana. Ok. On dit non, les ébouillés ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. Donc on ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Je lis les commentaires. Aujourd'hui, les ébouillés ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. Selon certaines personnes, Simon, qui suivent mon direct. Oh, c'est vraiment méchant, c'est vraiment triste. On dit les Hébreux ne font pas partie de la Côte d'Ivoire, donc on nous raye. Donc on fait partie du Ghana alors. Alors on nous matérise, il faut pas maman montrer quoi. Donc aujourd'hui, les Hébreux, c'est l'ethnie à bannir de la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Donc on se voit au Ghana, maman, apportez vos bagages. On se voit au Ghana. On dit on ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Oh. On dit Hébreux, là, on ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire aussi. Ok, donc nous on s'en va. On va partir où on est quitté. On est quitté au Ghana. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on ne nous reconnaît pas. Hey. Vous voyez? Ça, c'est mon grand-père. Voici mon grand-père, mon tonton, mon oncle, pardon. Marcel Lacré, bon voilà tes frères. Oui, tonton, ça va. Du courage. Oui. On fait tout le monde en colère. Tonton, je vais dire un mot. Ah, mon frère, c'est qu'il suit. On doit délivrer le village. Avec la grâce de Dieu, la bénédiction de tous vos grands-parents qui sont décédés. En sauve le village. Amen. Allez. Alassane Ouattara, c'est un voyou de la peau. Non, il faut l'insulter. Il y a un temps pour insulter, un temps pour. Quelqu'un qui vient de notre village, il va casser, mais c'est incroyable. Faut dire Alassane Ouattara, ça m'aime pas. Amen. Il n'est même pas ivoirien, même. Est-ce que tu es là?
On les diamants, on les Ivoiriens. En tout cas, on les Ivoiriens. Non à la destruction de mon village. Non à la destruction de mon village. Mayeri. Il y a quelqu'un qui y a Ahmed Diomandé qui dit actuellement Abidjan c'est pour nous les Djula. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si on est parents, si on est chez nous, qu'est-ce que vous nous reprochez? Pourquoi vous voulez casser chez nous? C'est ce qu'on vous demande, c'est tout. Sinon, nous sommes fiers d'être brillés. Vraiment triste, je vois les commentaires, vraiment. Papa est envoyé. Engelé, à jamais je pas. À la chaîne du ni on m'a rien ni l'ombre pas. Alors mais, à ma moule alors mais, ou à ta main mais, on commence donc quoi, à me couper, quelle, à me couper, mais comme quoi, me mettre à. Il y a quelqu'un qui dit la maca nous bip. Je ne bloquerai personne. Je vais laisser les commentaires. Je ne bloquerai personne. Je ne bloquerai personne. Tout le monde est libre. Mais ça me permettra de savoir que j'ai plein d'ennemis au fait sur mon profil. Des gens qui sont d'accord pour qu'on casse mon village. Des gens qui sont d'accord pour qu'on mette mes grands-parents dans la rue. Vraiment, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Il a quoi lui là? Il veut faire quoi? Ça va, Kouzo? Ouais. Maman, il y a vite ta maman, hein? Non. Ah voilà, vous voyez, tout le monde est fâché ici, hein.
sont des fâchés. Cousin, vous voyez. J'espère que vous voyez. Voilà. Les débris n'ont plus de village. Hein. Voilà. On nous demande de quitter les lieux. On ne fait plus partie de la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne fait plus partie de la Côte d'Ivoire. On ira au Ghana peut-être. Ouais, c'est méchant. Quand je lis les commentaires, vraiment, j'ai mal au cœur, mais je suis habituée à ce genre de commentaires. C'est méchant. David, viens. Voilà, nous sommes à la chefferie. C'est pas une question de gore, c'est pas une question de politique. Je vous demande pardon. Bon, peut-être que c'est ça, hein, parce que nous, on sait vraiment. Octave Aoré, on est au village. Toi, tu es où? Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas un village, c'est la capitale. Mais bien avant que ce soit la capitale, ça a été d'abord notre village. C'est toujours notre village d'ailleurs. Voilà, nous sommes à la chefferie de mon village. Voilà. Voilà nos papas. Voilà. Tout le monde est dehors. On attend que la police nous frappe. On attend. J'ai pas pour habitude de faire ce genre de vidéo, mais aujourd'hui là, l'heure est grave. Voilà, vous voyez, les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, tout le monde est dehors. Brahman Touré, avant d'être une capitale, c'était un village. Voilà. Nous avons cédé
et l'État a pris des parcelles de telle de force pour pouvoir développer ce que vous appelez aujourd'hui le plateau. C'était notre village, précisément le stade Félix Houphouët-Boigny, c'était notre village. C'est Houphouët qui nous a demandé de repousser et on a accepté. Voilà. Parce que quand vous ne connaissez pas l'histoire d'un pays, d'une ethnie, veuillez plutôt vous renseigner au lieu d'écrire des idioties. Voilà. Donc tous les ébriés doivent quitter la Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Quand je lis les commentaires, vraiment. Vraiment, c'est vraiment désolant. Non, on dit Abidjan, on ne partait pas aux ébriers, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. On dit qu'on ne nous connaît pas. On dit qu'on ne nous connaît pas. Vraiment, c'est vraiment triste. Hein. Il y a encore des illettrés. Hein. Vraiment. Quand je lis les commentaires, je suis dépassée. Mémé, Aignan, hey, Yako. Ne politisez pas la chose, hein. Ne politisez pas la chose. Voilà. Ne politisez pas la chose. Ça n'a rien à voir avec de la politique, je précise. On nous demande de déguerpir de notre village. Nous, on ne trouve pas ça normal. C'est pour cela qu'on proteste. Ça va? C'est ton direct qui m'a donné envie de venir. Tu as vu ça? Voilà quelqu'un qui a suivi mon direct et il est venu. Non, non, mais pourquoi tu te caches? Tu as honte? Les chefs n'ont rien dit. Attends, je vous montre la chefferie. Vous voyez? La chefferie. Nous sommes à la chefferie. Voilà. Justement, ceux qui font les commentaires qui nous demandent de quitter nos villages là pour le développement de la Côte d'Ivoire, je vais vous demander si vous n'avez pas de commentaires. Et vous n'avez pas de village, pardon. Donc vous trouvez normal qu'on nous foute dehors. Oh là là, c'est méchant. Il y a certains qui écrivent aussi.